Haïti média on dit yo mes amis m'pa konn ki sa moun Solino fè y a payé après chef gang barbecue fin touyer trois policiers utak pour nous pour valè moun ki mouri dans Delma 24 nan après-midi mardi ki 11 juin 2024 là m'pa ka contrôler et faut m'di nou pour moun ki mouri l dépassé 5 douèt mwen détail que me gagner mes chers amis mais mal mon capable dit malheureusement tout monde ça a mouri mais heureusement tout yo fait ti bois calé ou tout ça dit gen quelques gang qui sorti dans Delma 6 qui prend dans Zobo dans même moun Solino mais faut me dit nous si et seulement si moun Solino pas camper pour yo bataille ensemble avec nèg sa yo et si la police tout dans moment ça là pas tout saisi occasion pendant nèg vivant ensemble va faire poté bourri sous Solino pour yo tout bail nèg vivant ensemble yo réponse proportionnelle par rapport avec trois policiers utak sa yo qui tombé a même pas bonne menti nous gagne pour n'a chercher une série de moun dans Solino dans Delma 24 nous va ka joindre yo bon tendez non gagne des bandits encore la police nan Tigouave bay bois calé yo di nèg yo t'ap essayer traverser yo prend yo nan zone Tapion ouais on zawi c'est là yo prend nèg yo et bien yo lag yo nan rage a comprendre bien et puis t'ap ral gagner on prend t'ap toujours gen morgue public qui là pour ramasser cadavre a di nèg sa yo c'est soldat vivant ensemble qui yoyé yo semblerait-il que yo t'ap traverser pour aller famille yo en province gagner antenne qui bay gen coup de filet qui fait la police rive à temps pendant nèg yo essayé pour profiler ko yo yo tombé en bas coup de balle la popo la police même dit ça déjà gang yo manger guep panyol nous même tout bon côté pas nous va sécurité nous pas supposé rete bois croisé pour n'a regarder si nèg là li empêcher nous et fait va et vient si qui les gon patrouille k'ap fait là nèg yo metti en biscade pour ka touyer nous même bon côté pas nous tout gon on réponse nous supposé ba yo et puis tendez non malgré Jean Bagayou il là dans pays là la police avec agent douanier au Cap Haïtien gagné yo saisi en cargaison et pour kounya parce que détail que moi recevoir pour finir recevoir tout détail yo mais ça me gagne même qui m'a partagé ensemble avec nous là faut me dit nous c'est la douane même dans au Cap Haïtien qui informé nous gagné yon saisi qui fait dans douane là dans yon conteneur yo joine un carqui on cargaison zam. Je peux vous dire combien d'amis yo joine mais m'a regardé connait zamis pas tout venir en manche longue non il y a venu et comme des cadis ça et il y a tout démonté aussi après monde qui connaît pour ranger pour gousser galilo et pas tis amis non m'a regardé couleur là ça est pas sophistiqué comprendre bien mais pour connait détail que me gagner c'est l'on saisi ça que la police avec agent douanier yo même yo fait dans douane au cap là yo fait connait toujours yo saisi 157 cartouches qui gain différents calibres. Par exemple, il y a 100 là-dedans qui c'est calibre 9 mm, il y a 50 qui c'est calibre 38 et il y a 7 qui c'est calibre 12. Et jusqu'à Kounia, administration générale des douanes, yo annoncé sous compte officiel Twitter yo que contrôle là l'a reposé. Mais faut me dire nous pendant contrôle là a continuer, ça pas empêcher gagner une nan moun qui était supposé recevoir colis ça qui déjà en bas contrôle la police. M'a parlé là de Jean Guillaume Joseph, ça passe dans au Cap Haïtien, mes chers amis. J'entendais assez ça, moi même dit ça clé. C'est jour si m'pa comprendre au Cap même. On prend au Cap venir gens détérioré, m'pa comprendre rien qui passe dans au Cap. M'a demandé est-ce que mon au Cap pas perdre un fait parce que imaginons sur un paquet d'amis yo saisi là. On prend bien oui. Bon penser pour non moins que 2 ans oui, gain plusieurs saisies faites qui grave avec carison zame et munitions dans douane au Cap. Comprendre bien. Et puis l'autre bagaille qui important intéressant, bam tout font tirer sur ça parce que moi gain pile média qui pas parler de ça, c'est sacrivé frère Mackinson dans au Cap Haïtien, plus précisément dans hôtel Satama. Qui c'est un gros hôtel en pile touriste comprenez bien oui visiter en pile artiste autant de yo al au Cap soit pour y al et honorer un contrat que ou gagné c'est dans hôtel Satama que ou descend et ben en mesure de sécurité parce que l'autre dit un bon samaritain parle de Mackinson NBS c'est un monde qui gagne zier sous lui son monde qui aide et ça vient faire tout grand pile monde qui pensait mais c'est toujours gain gros magou l'argent sous lui parce que il est toujours prêt pour le porter aide avec une série de monde qui n'en besoin total mais était obligé louer une chambre en dans hôtel Satama. Moi c'est en plein dans nous connait histoire déjà.
Et bien, en dans hôtel ça, monsieur gagne accès avec un coffre fort, comprenez bien côté s'il gagne affaire personnelle, il gagne l'argent, les capacités de kembe l'argent caspité et cache ou bien mettre l'emba matla, les ca mettre dans coffre fort. Et bien, pendant monsieur al travail, dans mardi, et bien dans mardi ça même, comprenez bien oui, monsieur al travail, il lever mardi là le travail, et bien dans mercredi mes chers amis, yo rentré dans chambre là, yo ouvri coffre fort, yo prend tout cop que monsieur te gagne en dedans. Monsieur ça en parlant des américains et haïtiens. Bon américain yo dit monsieur semble plus que haïtien. Et nous connaît, monsieur dit tes gonsan mi te à peine balqué bon petit cop, un petit cop té. Imagine ou té pas vente crasse cop en Haïti. Comprenez bien oui, et bien toute l'argent ça yo tout volé. C'est pas effraction non. Yo casse coffre fort, c'est clé même avec bon clé nous connaît l'oual dans hôtel même soit au bord toutes les chambres pas inquiéto rien clé qui rete dans direction hôtel là et ben nèg yo aller carrément yo ouvri coffre fort yo prend ça té pour yo ça qui la cause journée jodi a Mackinson NBS obligé à recevoir gros menace mais sous menace ça yo li quitter au cap haïtien et tout monté aux États-Unis d'Amérique côté le tab vive il était obligé de descendre pour te venir remplir en mission pour s'il pas capable et ben actuellement là au lieu pour direction hôtel Satama pour ta remettre Mackinson l'argent parce que ça va te doit fait bien c'est menace yo obligé à faire pour dire porte en fer pas gommer ensemble avec porte en bois même journée jodi a une bagarre qui important longtemps l'on parlait de au cap haïtien d'ailleurs grand pile nèg qui gagne gros l'argent sur réseau wa qui c'est gros influenceur longtemps il a parlé yo invité moun à faire séjour au cap pal Port-au-Prince à l'Ocap mais journée jodi a là imagine si nèg dans un hôtel pour ça arriver hein kounya là qui moun au cap comment nous camper qui ça moun au cap pral di nan bagarre ça pour qui ça c'est marqué nous on est cap aider un bon samaritain ça arrivé même jusqu'à présent comme dossier devant la justice ça pour fait là me penser la fête mais l'important tout pour dossier ça pour le médiatiser comprendre bien parce que ça les pas supposé arriver yo rentré et y a ba nèg la pression sous ça mandé pour louer et caméra de surveillance yo dit non dans un premier temps yo dit le monde qui pour ta faire louer li nan voyage pour 15 jours tendez bien et les et me capable dit en après directeur en après hôtel Lavini il dit le comme ça caméra clayo système de surveillance là capable enregistrer pour seulement un bout de journée c'est-à-dire 12 heures de temps autant déposé en tout cas j'ai entendu ya dossier devant la justice mais moun sa yo volé ki yo faut remettre l'argent et hôtel Satama moi prend engagement pour me dire si ça qu'arrive Mackinson pendant li font paquet dans hôtel là la paye dans paquet employé dans hôtel là et pourquoi action ça arrive et sous menace encore la sibi et ben c'est pas un hôtel qui safe pour diaspora bien pour n'importe moun qui veut faire touriste pour descendre là-dedans clair. Bon à partir de ça qui vient là si moun au cap bien si haïtien yo te supporté haïtien pareil yo hôtel c'est là ta supposé fermer et comme ça moi même bon l'autre détail qui gagne encore faut me dire nous gagne ambassade américaine qui parlait alors li penché sur l'ambor trois policiers itag New York comprend bien bon gèlè koun yal jeune nouvelle là mais faut me dire tout li gagne ambassade américain qui était dans yo rencontre tête à tête ensemble avec Gary Coney. Gary Coney est allé chita parler ensemble avec et Dennis Ankis qui c'est actuel ambassadeur américain en Haïti. Gen pile causé qui dit c'est parler sous et force multinationale là qui gagne pour débarquer soutien que États-Unis a bail, il parler tout sous engagement que au gagné pour soutenir la police là. Et ben dans même sens là tout ambassadeur américain, les tout voyer en sympathie spéciale ou famille victime yo parlant de famille ak zanmi agent Itagio et puis nan même note ça que yo mette de yo pour mardi 11 juin 2024 là ambassadeur pays États-Unis Dennis Ankis voye sympathie din ça déjà et en même temps li font déclaration pour le di n'a prêté diam nan continuer supporter PNH là nan travail la fait ak en pile courage pour li protéger peuple haïtien c'est ça que ambassade la li même li déclare l'aime di ambassade haïtien nan voie Dennis Ankis. Bon, bah yo compliqué et puis l'autre bagarre qui est important intéressant pour me dire nous gagne mettre Aviol Fleurant tout ça nous connaît qui dans collimaté ULCC par rapport ensemble avec patrimoine monsieur qui augmenté apprenti pour se fin joindre dans ministère planification comprendre bien oui et bien pour l'argent monsieur vinn gagne journée jodi a là ça t'a pral obligé questionner enquête ULCC yo pour connaître comment enrichissement ça comment le fait fait et bien rapide et monsieur getan sous deuxième et audition yo auditionné monsieur et monsieur pas trop clair dans réponse la bail concernant richesse
qu'il gagne journée aujourd'hui après un petit temps qu'il fait ministre. Comprenez bien oui. Et bien qui ça t'a passé là? Monsieur risqué pour le taper en prison. Comprenez bien. Et monsieur est certain dans troisième invitation que monsieur a gagné, il a tout qu'un. Parce que à chaque fois, il pose monsieur question, c'est comme si bah il a et compiler toute information et leur ils vont côté gon couple là-dedans il aurait l'émissier au moins pour le faire éclaircissement et si monsieur mamoté pas bon mentor Aviol Fleurant qui était campé en face ou dit ça non et bien ça ou dit ça non t'ai souhaité à les cafés parce que Aviol monsieur montré ils sont gros doigts longs comment qu'à comprendre non si ton nèg fait ministre qui ministre et planification et puis pour nèg là les kounya là moun qui était capable manger un petit poule kounya journée aujourd'hui à ses oies là manger chaque jour la caille pour ne pas poser question Haïti gagne tout comme ça vrai. Si c'est pas corruption les gars fait même mon président les jeunes fait 5 ans les gars gagne l'argent pour fonctionner mais il pas riche non hein l'autre au jour Jovenel yo dit combien millions de dollars quand Jovenel l'autre là t'est venu Renal Bis te dit on bail la Jovenel t'a pas le faire oui on il t'a pas faire une banque commerciale après le fin président vous entendez il dit tellement corruption aller loin oui bon, en tout cas bah yo compliqué bagay yo grave non pas c'est tinegan chou prêt voir information comme ça très bien et m'a toujours invité nous dans gros séminaire qu'a fait dans date cap et 15 juin 2024 là c'est compagnie atomique a organisé séminaire ici là tout le monde invité débarquer nous venir en foule dans local Asian Evangelical Church dans 2030 John Kennedy Boulevard c'est là j'étais dans Jersey City 07305 ou même qui Brooklyn Elizabeth Springfield Orange venir c'est pas cher c'est seulement $20 séminaire ça coûter d'ailleurs fait chaud dans moment défouler nous venir on apprendre on va comprendre comment pour faire l'argent l'offre intégrer pour venir faire business dans compagnie atomique et a bien petit Bob de Nazareth qui présent et a bien également manger pour manger vendre des boutonnets dans même $20. Pour plus d'informations, mon cap venir relayer dans 201 989 6052 ou bien 404 370 24 57. Et puis pour si là besoin d'entrer en contact directement avec Tinegan Choupret là, pas hésiter écrire Kounia à travers WhatsApp dans numéro ça qui c'est plus 1 809 786 81 20 ou même qui besoin passer en publicité ou même qui besoin faire promotion pour vous, ou même qui besoin passer en doléance quelconque, aucun problème, écrire sur numéro ça qui c'est plus 1 809 786 81 20 plus 1 809 786 81 20. Capable comprendre c'est même lutte que Thomas Sankara t'a mené assassiné mais 30 ans après Thomas Sankara non seulement ou est justice là la blaye sur tout pays hein, mais ou est l'idée monsieur hein, ou est l'autre jeune capitaine qui prend bataille hein, et ou est capable parler même parole là OK capable parler même parole là et qui décide faire révolution hein, pour tout bon et lui dit que politicien rad doka lever mine politicien rad doka lever mine avec journaliste traditionnel yo média traditionnel yo li mande yo bay on brick monsieur mande yo bay on brick avec qui son va venir faire lobby gérer l'opinion pour faire macaque campagne monsieur dit regardez suspend ça monsieur interdit automatiquement est-ce que nous comprenons ça veut dire que monsieur besoin sauver pays a et monsieur sauver pays a c'est pas oublié son c'est militaire son coup d'état militaire son pouvoir militaire. Les audio même qui c'est journaliste traditionnel qui travaille pour un système depuis 30 années qui pas porter résultat qui met au peuple dans situation difficile même j'avais nous en pays d'Haïti.
Le yo du camper avec micro là suspend fait son affaire. Pratiquement. Est-ce que nous comprenons? Ça veut dire que monsieur besoin sauver pays là. Et monsieur sauver pays là. C'est pas oublié, son c'est militaire, son compte d'état militaire, son pouvoir militaire. Les audios, même qui c'est journaliste traditionnel, qui travaille pour un système depuis 30 années, qui n'a pas de résultats, qui met au peuple dans une situation difficile, même avec nous en pays d'Haïti. Le audio campé avec Miko là, suspend fait son affaire. Parce que, ils comprennent nous. Et là, continuez. Militaire n'a pas besoin de vous. Militaire n'a pas besoin de parole. Il dit oui, il dit non. Ok? Surtout, lorsqu'il militaire prend pouvoir à travers un coup d'État. Wesh, maman. Ou pas de combat ça. Vous comprenez? Eh bien, ça qui passe. Monsieur prend pouvoir, mais ça fait des bagages concrètement. Monsieur Jean Burkina Faso, qui tête en bas, peut pas qu'à souffrir encore. Et bien, monsieur dit, lui-même, le compte doule, le compte gang, ou en sur ta terre, il a fait des bagages concrètement. Il prend l'État. Et bien, monsieur, a fait des gros bagages dans le pays Burkina Faso. Moi, je prends ça, c'est parce que nous prenons le parler de Dr. Gary Kony et pour toutes les amis qui ont supporté la plateforme, ça, l'émission sortie que nous partager le tout côté nous faciliter plus monde capable participer ensemble avec nous on pourra le permettre pour comprendre plus bagage de ça qui a passé dans pays d'Haïti même pour nous comprendre mieux m'a fait nous comprendre réalité et comment l'on dirigeant prend pays comme si il prend pays en charge il prend responsabilité en charge il prend décider pays en main et qui comment il doit parler qui m'a des discours qu'il doit guerre nous prendre le temps de pendant quelques minutes. En attendant, moi, rentrer dans le dossier Dr. Gary Kony, état de santé, qui s'est pas fait, qui s'est doit fait, et dossier, qui est pour, avec dossier justice et président Jovenel Moïse, là, côté que, eh ben, la justice dans l'état de Floride dit, par la peau au campé là, abgé qui choye toujours, et m'bral banou, ça m'gé dans même comme l'ancien, et m'bab banou menti, par la plus que compliqué pour les assassins de Jovenel Moïse. Et m'a commencé à dire, depuis ces nègres avec femme, qui te gué meille au trempé, l'assassinat président Jovenel Moïse là m'a dit nous ça concrètement nous mettre commencer pour préparer nous tout à prendre prison nous tout net à prendre prison nèg qui t'a dépensé des millions de dollars américains pour te payer
pour te faire mercenaire colombien rentrer dans pays là fin tout président même si nous te nous fait toute stratégie net pour te casser pour te pas quitter trace garantis nous yo connais nous et l'opinion publique connaît nous tout pas de doute dans ça l'opinion publique connaît nous Jean Capitaine Ibrahim Traoré n'a pas tourné sur dossier assassinat président Jovenel Moïse là en nous tendez ça avec grand intérêt très important et que nous content de déjà mais faut nous comprendre ça que me dit nous moi rater vocation à jamais Aristide fait mal pas oublier non 1994 là Aristide craser l'armée peut-être une décapité fait mais pas oublier ça veut dire que m'tape gain dans l'armée t'ap gain ah mon chef fait respect non t'ap un militaire mon chef le ramte t'ap pour le comme là c'est sous capitaine d'appié capitaine vous comprenez est-ce que pas craser l'armée encore ou moi mon soldat comme moi t'ap dans l'armée pour ne vite dire moi quoi craser l'armée non ou craser au même Aristide t'ap craser d'abord ou pas craser l'armée dimanche 9 juin 2024 et m'a dit nous bonjour bonsoir tout le monde dépendamment de qui connecte là on attend nous et on regarde nous encore une fois c'est un plaisir pour moi pour que ensemble avec nous sur plateforme panoua sur plateforme maman peba plateforme pays potéen plateforme qui pas pêche là plateforme cap dit janier plateforme qui croit dans la vérité plateforme qui croit dans bataille paysan plateforme qui croit que c'est avec combat qu'on a mené dans bataille pour que nous jeunes vérité bien justice pour président Jovenel Moïse là et que n'a capable permettre que pays ça sorti la situation difficile effectivement qu'il trouve là et docteur et Gary Conny état de santé li n'a tourné sur lui tout à l'heure mais peut-être faut qu'on comprenne leur joindre en champ libre comme on capable de peuple pour sortir dans situation difficile capitaine Ibrahim Traoré jeune burkinabé actuellement là qui peut-être dans 35 ans OK qui prend de ce pays la main et peuple il décide pour que il dit pas besoin élection il pas besoin élection peuple a décidé à l'unanimité il dit OK ben monsieur là encore pour 5 ans après 5 ans si possible pour demander élection peuple a dit la prendre élection mais il ba mission mandat 5 ans dans moment par là voilà full pouvoir bravo avec Burkina Beyo bravo avec frère africain bravo avec jeune capitaine Ibrahim Traoré chapeau bas respect pour vous un bon capitaine un bon général et qui c'est commandant chef l'armée Burkina Beyo maintenant en tant que capitaine là je souhaiterais donc qu'on puisse rendre grâce à Dieu qui nous a montré ce jour et qui nous a permis de nous retrouver ici rendons hommage à nos FDS et nos vaillants VDP qui se battent au front et c'est grâce à eux que nous pouvons nous retrouver ici pour communier. Rendons aussi hommage à vous, ceux-là qu'on a baptisé les Waïa, qui veillent jour et nuit. Vous qui veillez sur cette transition, vous qui veillez sur l'itinéraire que nous avons tracé, merci beaucoup à vous. Remercions ici donc nos autorités coutumières et religieuses qui ne ménagent aucun effort pour nous accompagner pour la mobilisation des jeunes à être engagés donc au sein des VDP qui aident les FDS sur le terrain. Merci beaucoup à tous d'être là. Nous ne pouvons pas faire une révolution sans communiquer. Justement. Certains diront qu'il ne faut pas trop parler, mais lorsqu'on ne parle pas, c'est la manipulation qui prend le terrain. Exactement. Pas moi ça qu'elle me dit nous. Là nous avec Philippe a parlé pour un peu de respect. Oui, au révolutionnaire pas qu'à parler. S'il pas parler, qu'est-ce qu'il va parler? S'il pas parler pendant que au même dans les médias traditionnels là utiliser micro là avec radio là pour bailler mec fait détracteur assassin criminel yo micro pour faire toute qualité et pour faire toute qualité de déclaration pour au moins et manipuler peuple plus davantage mais me dit comment Henri Philippe il doit parler et moi me dit un peu le monde qui compare capitaine alors comment Henri Philippe avec jeune capitaine Ibrahim Traoré qui Philippe pas dans la police qui Philippe pas dans l'armée Guy Philippe a gen l'état nan men. Si Guy Philippe gen l'état, gagné organe répressif l'état, gagné ça nous capable les forces de la force de l'ordre l'état en plein mel. Là comme ça bataille est fini et pas tap gen trop bagaille. Guy Philippe tap gérer ça. Mais pas oublier et les différents complètement et par rapport avec Guy Philippe et capitaine Ibrahim Traoré. Capitaine Ibrahim Traoré même avantage gagné il gen peuple avec hein, peuple souverain. À camper presque l'unanimité et peuple a gagné conviction et prêt pour mourir
pour ça vous voulez. Et en plus de ça, monsieur son militaire qui la met la velle. La main est solide avec monsieur. Dis-moi qui ça monsieur besoin faire dans le pays pour penser qu'il va faire. Qui est-ce qui a empêché? Qui est-ce qui a empêché ou pas capable? Ou pas capable de bloquer? Juge qu'on a protégé volé, monsieur tout doux, attention. Nous sommes des militaires. Et nous avons oui, nous avons non. Ok? La patrie ou la mort, nous vaincrons. Jeune capitaine Ibrahim Traoré. Comprenez quelque chose. Le père de la révolution communiquait beaucoup. Je parle ici de Thomas Sankara. Thomas Sankara. Dans l'un de ses propos, il vous disait ceci. L'impérialisme est un mauvais élève. Lorsqu'il est chassé de la classe, il revient toujours. Et je me souviens qu'à son adresse, à ses compères donc de la CEDEAO, il disait que pour rompre le cordon ombilical qui nous lie à l'impérialisme, n'allez pas chercher une maïticienne d'État avec des doigts futés et un ciseau bien aiguisé pour rompre ce cordon. Mais plutôt, il vous faudra un bûcheron robuste avec une hache bien aiguisée pour donner un coup sec et rompre le cordon. Exactement. Quand vous tenez bien, moi-même dis-nous ça très bien. M'allez chercher et vidéo ça. C'est sous des pages et youtubeurs africains et puis des jeunes qui n'ont Facebook tout et africains. Il y aurait les monsieur réincarnation de Thomas Sankara. Jeune capitaine Ibrahim Traoré fait une déclaration devant. Alors non, 55e Assemblée Générale Rousseau Africa, monsieur devant président Poutine, monsieur fait une déclaration dans l'Assemblée, à côté qui est près de 50 ou 55 chefs d'État africains. Assemblée en fini, il y a une rencontre qui était prévue à faire, mais Vladimir Poutine décide spécialement pour le tête à tête avec jeune capitaine ça qui c'est Ibrahim Traoré. En tête à tête là, monsieur sorti avec une enveloppe. Elle me dit nous on veut parler l'argent cache non, mais sauf que ça qui sien c'est des milliards de dollars américains coopération matériel pour l'armée et de l'autre bagaille dans le secteur agricole là. Et si peut-être des cas joindre déclaration, on peut mettre tout à l'heure, ça toujours mal cherché. Assemblée générale, ça qui était fait dans le pays là aussi. Moi, si je jeune, intervention jeune capitaine Ibrahim Traoré. Bon, chercher pour nous, pendant qu'il attendait, capitaine. Avec un peu d'intérêt, puis partager pour nous. Et en attendant, nous rentrer dans le dossier, état de santé et PM Garigoni. Après, rentrer dans le vini. Parce qu'il y a un pile et petit dossier, petit état de la vini, nous t'assembler, PM dans le pour quitter l'hôpital là. T'assembler. Et sauf que l'irrité pour une confirmation hein, avec Zamino et qui avait alors et qui ses yeux avec Zoréno en bas mais qui est travé dossier de très très près et qui a bon gens hein, et information ou du moins évolution dans quatre dossiers ça en avance attendez et capitaine Ibrahim Traoré et puis par la suite pour aller dans intervention et alors dans sa gain pour avec dossier pays d'Haïti. Mais nous allons chercher le discours qui était fait sur la tribune et nation. Alors, on est capable de dire. On a payé la Russie. On a payé la Russie, on dit comme ça. On a dit ça. Cela veut tout dire. Je m'en vais vous expliquer un peu comment est-ce que l'impérialisme se comporte. Après l'assassinat du père de la Révolution, justement, le régime qu'avait voulu l'impérialisme s'est installé.
Dans les années 90, vous vous souvenez tous d'un programme qui nous a été imposé, le programme d'ajustement structurel. C'était qu'un plan. Je vous explique. En mettant en place ce programme dans nos contrées, vous avez remarqué au fil des deux décennies qui ont suivi, toutes nos usines qui étaient en place ont été privatisées. Notre économie a été déstructurée. Ils ont mis en place un système néocolonial, un système de capitalisme sauvage qui ne profite qu'aux dirigeants et leurs amis, un cercle restreint. Est-ce que nous comprenons ce que ça veut dire? C'est la réalité nous-mêmes que nous avons décrit là. René Préval font seul avec les oligarques corrompus. Et qu'on prend toute institution de l'État, yo, toute ça l'État de gagné, ils privatisent. Ils privatisent. Ils baillent avec des nègres qui sont dans le secteur privé des affaires. Pour venir vendre qui est, même peuple ça. Pour venir vendre qui est, même l'État ça. Qui est-ce qui est comme client? L'État. Personne n'a pas posé question. Mais qui est-ce qui est passé par la question dans le Parlement? Des sénateurs, des députés, des sénateurs. C'est même nègres qui l'ont depuis 30 ans. Je veux dire, mais Haïti. Tout le monde qui a fait deal, ça m'a fait voir, il y a multimillionnaire et même milliardaire. Il y a détruit tout le pays pour l'argent. Mais c'est ça que monsieur, les mêmes lits, dans le pays Burkina Faso, monsieur, prenez ce pays la main en 2022. Là maintenant, nous sommes en 2024. C'est Wash Maman Kabay à Burkina Faso. Monsieur, contrôle le pays, il n'y a pas la voix là. C'est qu'on l'armée définitivement qui dote tête li de matériel solide, ce qui est matériel solide pour la mel, eh bien, Mbaba nous menti. Et monsieur, il y a deux pays encore qui collavent, qui mettent tête ensemble, c'est Wash Maman Kabay. À savoir Mali et puis Niger. En avance. De côté des forces, ils ont tout fait pour déstructurer nos armées. Ils ont dit de baisser le budget des armées, de ne plus les équiper, de ne plus s'entraîner. Ce qui a été fait dans la sous-région. Nos armées ont été réduites en néant. Ils préparaient la chose. Attendez, oui. Impérialistes, avec l'équipe qui suit le terrain, ils ont affaibli l'armée. Ils ont demandé pour ne pas avoir matériel avec l'armée. Pas équiper l'armée. Négliger la meilleure considérablement. Pendant qu'il a négligé la meilleure, et puis gang nan terroriste la monté dans le pays. La monté. On a dit ça que fait. Aristide crase la meilleure en 1994, il mette la meilleure rouge. Il crase la meilleure d'Haïti, il mette la meilleure rouge, et puis il mette la meilleure d'Haïti. Alors, il mette la meilleure petite manchette, et puis par la suite, il mette la police. La police prend naissance avec le police là, dans la même année. C'est des frères. La mer rouge, la mer manchette et puis la police. Mais vous crasez la mer d'Haïti. Depuis là, c'est route ça qu'on prend. Et route ça, mais côté le mené nous en Haïti. Jean-Bertrand Aristide a vivre toujours. Il n'y a personne qui j'en pose une question. Jeune capitaine Ibrahim Traoré. Maintenant, je ne dis quoi pendant que le capitaine est sur l'écran. Permettez-moi et faire nous entendre des déclarations que monsieur fait. Non, et je suis capable de dire. Et dans le pays là aussi, devant. Président Vladimir Poutine. Si fait trembler panel là, monsieur fait Vladimir Poutine, demande monsieur pour que vous fassiez monsieur Bali dans l'espace privé pour parler à deux. Et vous parlez qui choye. Entendez, qui déclaration que capitaine Ibrahim Traoré qui n'a pas gardé sur l'écran, qui fait dans le pays là aussi. Attendez ça. Pardon. Une question donc de ma génération oblige les droits d'aînesse, je me dois de m'excuser. Très bien. Camarade, j'ai quelques questions donc de ma génération, ni d'une question qu'on se pose. Mais nous n'avons pas de réponse. Et il se trouve qu'ici, nous pouvons laver donc notre linge sale parce qu'on se sent en famille. On se sent en famille en ce sens que la Russie est une famille aussi pour l'Afrique. C'est une famille parce que nous avons la même histoire. La Russie a consenti d'énormes sacrifices pour libérer le monde du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale.
Les peuples africains, nos grands-pères, ont été déportés de force aussi pour aider l'Europe à se débarrasser du nazisme. Nous partageons la même histoire en ce sens que nous sommes les peuples oubliés du monde. Qu'ils soient dans les livres d'histoire, dans les documentaires ou films, on tend donc à balayer le rôle prépondérant qu'a joué la Russie et de l'Afrique dans cette lutte contre le nazisme. Nous sommes ensemble parce que actuellement nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples, de ce qui va advenir demain, de ce monde libre auquel nous aspirons, de ce monde sans ingérence dans nos affaires internes. Nous avons les mêmes perspectives et je souhaite que ce sommet soit l'occasion donc de pouvoir tisser de très bonnes relations en vue d'un meilleur avenir de nos peuples. Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer, c'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il qu'on est chef d'État traverse donc le monde à mendier? À mendier. À demander tout côté. Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là. Nous avons l'occasion de tisser de nouvelles relations. Et j'espère que ces relations puissent être les meilleures pour donner un meilleur avenir à nos peuples. Très bien. Ma génération me charge aussi de dire que, par ce fait de pauvreté, ils sont obligés de traverser l'océan pour essayer de rallier l'Europe. Ils meurent dans l'océan. Mais que prochainement, ils n'iront pas traverser parce qu'ils viendront devant nos palais pour chercher leur pitance quotidienne. Très bien. Pour ce qui concerne le Burkina Faso, aujourd'hui nous sommes confrontés depuis plus de 8 ans à la forme de manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. L'esclavage qu'on tend encore à nous imposer. Nos devanciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Justement. Nous ne nous apitoyons pas sur nos sorts, on ne demande pas que quelqu'un s'apitoie sur notre sort. Le peuple burkinabé a décidé de lutter. De lutter contre l'île terroriste en mesure de relancer son développement. Dans cette lutte, des vaillants peuples, des vaillantes populations se sont engagés à prendre les armes face au terrorisme. Ceux que nous avons affectueusement appelés les VDP, des volontaires. Nous sommes surpris de voir les impérialistes traiter ces VDP de milices et de tout type. C'est décevant. Parce qu'en Europe, lorsque des peuples prennent les armes pour défendre leur patrie, on les traite de patriotes. Nos grands-pères ont été déportés pour sauver l'Europe. Ce n'était pas avec leur consentement, contre leur gré. Et bien au retour, on se rappelle bien qu'à Tiaroy, lorsqu'ils ont voulu revendiquer leurs droits élémentaires, ils ont été massacrés. Cela ne fait rien donc. Lorsque nous, peuple, nous décidions de nous défendre, on nous traite de milices. Mais là n'est pas le problème. Ce qui est le problème, c'est de voir des chefs d'État africains qui n'apportent rien à ces peuples qui se battent, mais qui chantent la même chose que les impérialistes en nous traitant de milices, pas la veille, traitant donc d'hommes qui ne respectent pas les droits de l'homme. De quel droit de l'homme parle-t-on? Nous nous offusquons contre cela et c'est honteux. Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter donc en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. Hier, le président Vladimir Poutine a annoncé donc l'envoi des céréales en Afrique. Nous sommes bien contents. Nous lui disons merci pour cela. Mais aussi, c'est un message passé à nos chefs d'État africains. Parce qu'au prochain forum, nous ne devrons pas venir ici sans avoir assuré, pour ceux qui ne connaissent pas la guerre, l'autosuffisance alimentaire de nos peuples. Nous devons prendre l'expérience de ceux qui ont pu déjà atteindre cela en Afrique, tisser de bonnes relations ici et tisser de meilleures relations avec la Fédération de Russie pour pouvoir assouvir les besoins de nos populations. Je ne serai pas peut-être long, le temps est imparti est très court. Nous sommes obligés de nous arrêter à un moment donné. Mais je voudrais terminer en disant que nous devons donc rendre hommage à nos peuples qui se battent. Gloire à nos peuples, dignité à nos peuples. À nos peuples.
victoire à nos peuples. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci, camarades. Voilà. Obtendez, jeune capitaine Ibrahim Traoré, c'est les mêmes que vous attendez là, dans et audio ça. Devant président Vladimir Poutine, bat président Poutine, bat bravo, la contentement parce que monsieur fait une déclaration tête chargée et monsieur clair devant et les chefs d'État restent avec Africains. Il est qui mettait au service de et Colomblanc, ça veut dire la France surtout. Et cap multimillionnaire mais peuple dans souffrance à grand goût extrême parce que nèg yo gon même stratégie politique là politicien ça remet ouais les peuple a mandé yo vinn marcher devant radio maintenant radio mandé mon aide yo tel, mais yo pas créer condition pour peuple là lui-même n'est capable voler des propres ailes li. Et ben c'est ça qui fait la différence entre jeune capitaine Ibrahim Traoré réincarnation de Thomas Sankara avec les chefs d'État restent avec Africains ça yo. Mais vin fait que monsieur King de gros menace sous dol monsieur dit là pas affronter parce que il c'est militaire il a la mêle derrière il a des armes il prêt pour affronter quel que soit monde pour combattre l'IA cap combattre l'IA cap combattre peuple l'IA. Et ben déclaration ça t'est pile en pile tête chargée dans continent africain et tout chef d'état reste avec est estimé que monsieur prend contrôle pays IA dans main yo et c'est toujours même bagarre hein? Pour Niger son gros pays. OK. Et général Tchiani qui font coup d'état qui prend voix et même Baba Nwanti, c'est des décisions drastiques qu'a prend et paysan sous route vers une stabilité généralisée parce que ou est tout et rail a mettre pour que n'est capable mettre paysan sous rail pour redémarrer pays. Ça veut dire que c'est des africains qui responsables qui t'en qui ouais pays pas qu'à souffrir encore qui veut peuple pas qu'à souffrir encore et ont décidé de prendre de ce pays mais malgré c'est dans cadre un coup d'état mais n'importe qui gens qui lié depuis capable porter résultat pas de problème parce que nous même ces résultats n'a cherché. OK, depuis coup d'état capable ba nous stabilité ces résultats n'a cherché nous besoin de solution définitive n'a fait coup d'état ou pas assassiner président. Alors ça m'a banon comme rappel il pas assassiner président il prend pouvoir mais il pas assassiner président. Oui, tu as des soldats tombés parce que dans échange de tir et pas t'a pas moun est victime. T'es gè moun victime. T'es gè moun victime, bien sûr. Mais sauf que, yo ou pas konne quantité ya. Yo pas kito konne. Militaire vidéo à terre. Pardon. Militaire vidéo à terre, il pas kite espace non. Depuis je ne prends.